Elle réédite l'initiative. Sandra Idosu, présidente de l'ONG Sachets Reloués, veut débarrasser Cotonou de tous les déchets plastiques. Une énième initiative qui a mobilisé plusieurs franges de la société béninoise. Des artistes, des hommes de médias et plusieurs structures de la place se sont joints à elle pour cette marche de la propreté. Nous sommes à la 5e édition. C'est une édition assez particulière parce que c'est la dernière de l'année. On voulait terminer cette année 2018 sur une bonne note et dire que nous avons contribué ou nous avons compris notre rôle citoyen. Et donc, c'était assez important pour nous de faire cette édition ce dernier samedi de l'année. Mais surtout très important parce que nous avons réussi à impliquer deux corps de métiers qui sont les membres de la presse, parce que vous qui êtes ici, vous êtes très important pour porter le message par rapport à nos populations. Nous avons aussi réussi à mobiliser les artistes et c'est très important pour nous parce que les artistes ont beaucoup de fans derrière. Donc si eux, ils passent le message comme quoi il ne faut pas jeter le sachet par terre, qu'il ne faut pas utiliser le sachet, on est sûr que beaucoup de personnes vont entendre le message. Je cours, je marche pour une ville sans déchets plastiques. Le slogan a résonné aussi dans les actions. L'initiative de Sachets Reloués est une très très bonne initiative que nous soutenons au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable. Et au nom du ministre José Tonato, je voudrais féliciter et remercier tous ceux qui ont pris part à cette 5e édition. Et je pense que l'activité de ce matin a prouvé que nous devrions davantage nous engager, nous mobiliser derrière la cause environnementale. Plusieurs acteurs de la ville vitrine du Bénin ont reçu ces visiteurs nettoyeurs. Ils ont ramassé tous les déchets plastiques. Ils invitent les autres concitoyens à faire de même. L'objectif a été atteint. Et c'est grâce à tous les médias, Canal 3, tous ceux qui ont véhiculé le message pour que les gens soient là. On vous remercie énormément. BAIC est au sein de la population béninoise et on a pensé aussi déjà à cette belle initiative de Madame Helou Sachet, si je peux le dire, que moi personnellement j'ai regardé à la télé TV5 il n'y a pas longtemps et j'ai décidé avec mon équipe que ce serait une bonne chose aussi de participer à cette bonne cause. Le sachet plastique, un déchet nuisible pour la santé humaine, ce message de l'ONG, Sachets Reloués, fait tache d'huile. Tout le monde se met dans cette danse de nettoyage.